On se reverra. Pourquoi veux-tu que je sois Madame Frenkel? Parce qu'elle est complète. Elle est intérieure et extérieure. Tu n'as pas remarqué? Alors, on se reverra? Quand tu veux, quand tu peux. Ouais, je peux toujours. Demain? À quelle heure? Téléphone-moi, je suis toute l'après-midi chez moi. Je suis dans l'annuaire. On dînera au restaurant? Chez moi, ce sera mieux. Tiens, voilà mon tram. Vous avez pas l'air. Pourtant, je suis mécanicien. Ah. Sur auto, en plus. Vous êtes sûr que ça tourne rond? Je passe tous les samedis la tête dans le moteur. Ma seule passion. Vous croyez, j'espère? Oui, je crois. Mais parfois, on se méfie. Dans les bagnoles, il y a tellement de voleurs et de menteurs. Bon, c'était peut-être parce qu'elle était froide ou alors dans mes oreilles. Bon, vous la vendez combien? 3008. C'est l'affaire de votre vie. Non, c'est trop cher. Elle n'est pas entretenue. À part le moteur, bien sûr, puisque vous êtes mécanicien. 3000. Bon, d'accord. 3000? Oui. Ah bon, eh ben, je la prends. Bon, tu vois, la politique internationale, ça m'intéresse plus. C'est des rapports de force comme au temps de Napoléon. De la merde. Il n'y a qu'à l'intérieur des pays, entre les classes. Tu vois, c'est là où vraiment les choses se passent. C'est pour ça que nous... Voilà qui recommence à faire chier avec leur politique. La musique avant les matchs de foot à la télé. Non, c'est l'adagio de la 11e symphonie de Purcell. Toi, Vincent, faut pas faire le malin avec ces trucs de la culture. Plus ça, tu connais rien du tout à la musique. Toi, c'est le cinéma. Lui, c'est le foot. Très bien. Tu dis n'importe quoi. Reste une demi-heure. Patron nous l'offre pour ton dernier jour. Allez, on se taille. C'est moi qui paye la tournée des adieux. Tu vois, Marcel, pas si bête. Hein. Ah non. Je vais te détacher et tu cours un peu. Hein? Tu vas pas t'enfuir, hein? Promis? Tiens. Rita. Rita. Lorsque l'enfant était enfant, il marchait les bras ballants. Il voulait que le ruisseau soit une rivière, et la rivière un fleuve, et que cette flaque d'eau soit la mer. Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Pour lui, tout avait une âme, et toutes les âmes n'en faisaient qu'une. Lorsque l'enfant était enfant, il n'avait d'opinion sur rien, et il n'avait pas d'habitude. Lorsque l'enfant était enfant, vint le temps des questions comme celle-ci. Pourquoi est-ce que je suis moi? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas toi? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas ailleurs? Quand a commencé le temps? Et où finit l'espace? La vie sous le soleil n'est-elle rien d'autre qu'un rêve? Thank you.
Cette idée de faire irriguer nos plantations de chêne liège par un barrage est tout à fait séduisante. Séduisante, mais chère. Il faudra en convaincre les actionnaires de notre banque. Ils se rendront bien compte que c'est dans leur intérêt, Monsieur Bourtibourg. Pierre, je vous en prie. Henri, ne sous-estimez pas la défiance de nos actionnaires à notre égard après vos derniers bilans. Pardonnez-moi. J'ai remarqué que vous ne vous sentiez pas bien. Où est-ce l'ennui, tout simplement? Je viens de passer un an en Afrique et crains d'avoir perdu l'habitude de ce genre de fête. En Afrique? Qu'alliez-vous y chercher? Un autre monde, peut-être. Vous savez, mademoiselle, le nôtre ne se limite pas à Genève. Même si pour beaucoup, aller pique-niquer de l'autre côté du lac est déjà toute une aventure. Tu surveilles Miller? Jour et nuit, même quand je dors. Ce gars, c'est parfait. Mais qui alors? Personne. Tu le sais. Cesse d'être ton pire ennemi. Pavius, hein? Je t'en prie. Si ce n'est pas Miller, c'est peut-être toi, Mr. Felton, né Pszczepiński, le gros de nos Pologne. J'ai une question à vous poser. Bon, à poser votre question. Pourquoi avez-vous parlé ainsi? Pourquoi vous voulez le savoir? Qui êtes-vous? Je m'appelle Franz. J'étais venu pour écouter. Non, je ne suis pas de la police. Je suis professeur à l'université. Moi, je n'ai rien de commun avec ces pauvres gens. Les seuls liens qui les rassemblent les uns aux autres, ce sont les défaites et les reproches qui s'adressent sans arrêt. Mais c'est dur, la vie d'exilé. Ces pauvres gens sont abandonnés, ils se sentent incompris, ils ont l'impression d'être perdus, seuls au monde. Votre pays est occupé. Est-ce que ça vous laisse indifférente? Je déteste les points vengeurs et je déteste les doigts accusateurs. Alors vous voulez quoi, au juste? Je voudrais déjeuner, moi, j'ai faim. Tu devrais faire de l'exercice. Tu dois te muscler, tu dois devenir très agile, très souple. Attends, je comprends pas. Je vais pas jouer James Bond. Je vais jouer ton rôle. Enfin, tu m'as pas l'air particulièrement fit. François a changé d'avis, il préfère draguer les serveuses. Alors c'est toi qui vas jouer aussi le rôle de l'idiot, enfin de l'autre. Enfin, tu joues les deux rôles. Et on commence les répétitions demain. T'as pas de peine à apprendre tout ce texte? Tu prends des trucs pour la mémoire? Tu crois pas que tu devrais? C'est bientôt le salon du bonsaï. Ah bon? Et alors? Je voulais te montrer un arbre, mais j'arrive plus à le retrouver. Il était comment cet arbre? Bah...
Je voudrais que tu joues comme un arbre. C'est ça, chez Evelyn. C'est super bien. Genial, man, ich habe alles gemacht. Und für sie war es sicher auch gut gewesen. Ist mir recht eingefahren. Sie hat nicht mehr aufgehört zu schreien. Pedro, il n'arrive pas en Suisse. J'ai décidé de partir là-bas. Je vais aller le rejoindre en Argentine. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas, en Argentine? Je vais accoucher là-bas. Mais tu es folle! J'ai déjà donné mon congé à l'hôpital, enfin je vais prendre une année sabbatique, quoi. C'est quoi encore cette histoire? J'ai besoin d'être avec lui. En plus, il y aura toute sa famille là-bas, je serai bien entourée. Moi aussi, j'aimerais bien t'entourer. Je t'abandonne pas, maman. Mais tu t'en vas. Pas grave, ça me gêne pas de garder ton boulot, il est mignon. Et de toute façon, j'ai rien de mieux à faire en ce moment. T'as pas de nouvelles? Non. Gabriel. Mais vas-y, pourquoi tu vas pas? Tu crois? Mais oui, qu'est-ce que t'as de mieux à faire de toute façon? J'y vais. Mais oui, t'y vas. Masse, monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes là.
sais qu'on a l'impression qu'ils passent leur temps assis dans des chambres d'hôtel. C'est ce qu'ils font, c'est comme ça qu'ils font leurs affaires. Mais ce dont je te parle, c'est de la scène historique mondiale, avec les contrats de livraison qu'on peut passer avec l'Europe, le transport par l'Iran. C'est vrai, ce mec est capable de révolutionner non seulement son pays, mais toute la région. Dès que son père ne sera plus là, ce mec sera peut-être l'équivalent de Mossadegh, en 52, en Iran. Une vraie démocratie, au développement naturel. Tu te rends compte, si on peut aider un de ces pays à avoir un parlement, les aider à se gérer de manière fonctionnelle, leur montrer, je sais pas, Brian, leur montrer arrête. Comment on peut... S'il te plaît. Julie, la petite boîte dans laquelle j'ai débuté est aujourd'hui le principal conseiller économique du prince Nasir. Tu te rends compte de ce que ça représente? C'est comme si... quelqu'un avait mis un distributeur géant de fric devant chez nous. J'ai une question. Tu trouves ça bien de tirer profit de la mort de ton fils de 6 ans? Je t'emmerde. Je t'emmerde. J'ai changé les couches, j'ai mis de la crème sur ses fesses, je l'ai emmené chez le pédiatre, j'ai veillé à tout, putain, dans les moindres détails. J'ai tout fait bien, j'ai tout fait très bien. On rentre aux États-Unis. Bien. Tu verras plus tard, ok?